إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله سبحانه وتعالى لي ميت ان رياليتي devant nous، ce qui le dunya c'est pas une place que l'insan vive, je dirais, d'une façon que l'insiste tranquillité, l'insiste la paix, l'insiste le tapis-vélo partout. Mais dunya l'y remplit avec bantis. Dunya l'y remplit avec bantis. N'importe qui s'en a qui l'y retourne dans Sira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il comprend. La personne qui Allah Rabbi Amin plie content, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sahaba, ridwanullah alayhim. Quand nous guettons la vie qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui n'amène, qu'il soit dans Makkah ou dans Madina, et aussi la vie qui m'en sahaba qui n'amène, quand c'était test qui Allah Rabbi Amin fait faire aux autres, l'éclair qui, pour Allah Rabbi Amin lui montrer ce l'amour, pour Mandimoun, ce n'est pas quand Mandimoun l'est en bonne santé, il n'y a aucun problème, aucune difficulté. Ce n'est pas ça, vraie tranquillité qui est un insan qui est dans la terre. Tranquillité qu'Allah Rabbi Amin y voulait avec nous, c'est tranquillité l'équerre. C'est un Mandimoun, ce l'équerre, alhamdulillah, il est satisfait avec ce qui peut dérouler. Allah Rabbi Amin, ce qui fait, alors il prend patience. Mais la doute qui sa qualité là, pas tout le monde qui est dans ce sens. Et c'est lui qui est dans ça dans lui. Définitivement, ça du monde là, c'est lui, du monde qui peut vivre dans plus bien le sang du là. Parfois, au cas où du monde est misère, au cas où il est malade, au cas où il est où, il y a une extra difficulté. Mais seulement, si dans ce tawakul, follow Allah, si dans les ressentis, qui ça c'est un test depuis Allah, il peut prendre patience là. Alors, il vit avec une tranquillité extraordinaire. Alors, Allah Rabbi Amin, lui voulait qu'il nous vive avec tranquillité. L'eau s'arrêtait là. Alors, il finit faire nous comme certains manguitos, et même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de nous une information importante pour qu'il, dans ce moment difficile là, nous étant un musulman, un bon musulman, comment nous bien comportons. Alors, Allah veut dire, certainement, nous vous testez avec un petit peu la frayeur. C'est dans la vie. Pendant que vous vivez dans cette dunya-là, il peut y avoir un drôle quand on trouve un moment que vous avez peur. Nous tous, nous ne passons pas la frayeur dans l'époque Covid. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit comme ça, qui nous passe pas ça, l'étape-là. C'est lui qui vient saisir cette occasion-là, ensemble avec la frayeur qui n'y a rien, attention, il est malade, attention, il est mort, il est plus rapproché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après la doute, qui c'est ça qui Allah va prendre, il nous l'a dit, nous. D'une prend patience, là, c'est qu'Allah Rabbi Amin vient décider, même si il y a une famille, une proche pour lui, vient toucher par ça, vient même perdre toute la vie. Alors, il accepte lui de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la doute qui s'est dit, il y a une grande récompense qui peut être lui côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il teste nous par la faim. Alors, personne parmi nous qui l'a, pas t'y attendre,
qui un jour, avec tout ça, l'argent qui nous est là, toute sa facilité qui nous est là, dans sa pays là, qui nous retrouve dans une situation que nous venons à manger. C'est une époque dans la période Covid même, du monde est dans la casse, mais venons à manger. Pas tu attends ça. Tout ça là, c'est pour montrer qu'Allah Rabbamin, il fait ce qu'il dit, il y a bien, il est pour nous concernant ça. Wa naqsun min al-amwali wal anfus. Et Allah Rabbamin, il teste nous aussi, pour diminuer un petit peu de nous, dit bien. La diminution de nous, on dit bien, dans différentes formes, parfois dans le business, ou faire ben, des fêtes, parfois du monde, eh, ben, proche même, capable, ben, très, embêté, ben, prend aux richesses, et capable d'arriver, ben, les autres situations, ben, du monde, différent, prend, l'hyperdition en richesse. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de façons qu'Allah Rabbamin, ni diminuer la richesse du monde, ou bien la vie des gens du monde, Allah Rabbamin, ni, tiens, je trouve, c'est une bonne proche, mort. Alors, tout cela, c'est une question qui nous tout, nous fait face dans la vie, ça. Et Allah Rabbamin, il dit aussi, et man fruit. C'est-à-dire, Allah Rabbamin, il dit, mais man fruit. Alors, tout cela, c'est pour montrer qu'Allah Rabbamin, c'est lui qui contrôle toutes choses. Tout ce qui peut arriver, c'est lui qui peut décider, qui sait pour arriver. Alors, quand nous, étant manqués dans l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître toutes ces réalités-là, définitivement, nous, nous savons qu'il nous rappe, ou les dit bien pour nous. À cause de Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit tout de suite, wa bashir sabirin. Donne la bonne nouvelle à Ban qui prend patience. Nous, étant manqués dans l'iman, nous devons prendre patience dans trois choses. Premier, de faire ibadat pour Allah. Deuxième, d'abstenir depuis un PC. Troisième, nous prenons patience lors tout ce qu'Allah Rabbamin décide de créer l'ONU. Nous devons connaître qui, sans les mondes-là, il n'y a pas de rôle pour aller ça. Parce que les mondes-là, ou les, comme on la croise, la nature, ou les, comme ça. Pas la nature qui contrôle les mondes. Mais n'indra, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, al-mudabbir, c'est lui qui contrôle ça, les mondes-là, c'est lui qui décide qui besoin arriver et qui va besoin arriver. Alors, quand nous trouvons n'importe qui sort, qui arrive, alors nous connaissons qui ça, les vins, depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous prenons patience. N'importe qui manière arrive, nous prenons patience. Allah peut donner nous la bonne nouvelle. Il dit, alladina itha asabatum musiba. Ben qui, quand un malheur tout jette, قالوا جدير إن لله وإنا إليه راجعون. Sa parole là, ça c'est pour montrer nous iman, nous Allah subhanahu wa ta'ala, nous iman, nous qadar. Comment Maria tous nous rappelle qui nous appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala et nous tous nous retournons vers Allah. Alors nous disons sa parole là pour qu'il nous rappelle nous-mêmes concernant ça l'aspect de iman, lo Allah et lo qadar. Alors, nous disons sa parole là, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allah dit, ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Alors, quand nous disons sa parole là, Allah dit sa parole là, et la bénédiction depuis ce trouble aux autres. Allah Rabbamin, il descend sur bénédiction, lo sa parole. Quand on prend patience, lo va en difficulté qui nous gagne au dunya, Allah en retour, li met bénédiction dans la vie. Wa ula mi rabbi wa rahma, et il descend sur pitié aussi. Alors Rabbamin, il descend sur pitié aussi. Wa ulaika humul muhtadun, c'est ça maintenant qui est bien guidé. C'est ça maintenant qui est la guidance. La guidance, c'est quand on accepte tout ce qui Allah Rabbamin il décrété, il peut faire arriver, on accepte que ça l'ibin depuis que Allah subhanahu wa ta'ala ou prend patience au là. Ou pas dire qu'il y a qui pas besoin, alors ça montre qu'il y a un monde qui ou l'eau la vie ou l'eau la guidance. Comme ça même, quand un qui est arrivé, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah, il finit écrire destin des bannes créatures 50 000 bananes avant qu'il y crée le ciel et la terre. C'est tout ce qui peut dérouler là, c'est là. Ou bien ce qui peut dérouler jusqu'à Kriyama. Hein? Tout ce qui finit dérouler, tout ça là, tu déjà fini écrire avant qu'Allah Rabbamin n'y crée la terre et le ciel même. La terre et le ciel pas exister. 50 000 bananes avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala, tu finis écrire tout ce qui va arriver jusqu'à rien. C'est n'importe qui même qui chose que vous trouver, peut dérouler dans les mondes là. Ça, tout ça là, il déjà en écrit, quand Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il déjà connaît tout ça là, il finit mettre tout ça là en écrit. Alors, connaît qui tout ce qui est arrivé dans les mondes là, tout ça là, il trouve dans destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui finit
dekhe tout ça là. Et comme ça même, quand n'importe qui manière arrive un musulman, il dit bien qu'on est qui, sa manière là quand il arrive ou bien aux familles, il n'y a personne qui se capable d'empêcher sa malheur. Il a une seule avec lui. À cause même que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait toutes les choses et n'a une réalité. Et un serviteur, pas pour atteindre la réalité des imams, jusqu'à qu'il y connaît, qui c'est qui finit tous les, sa partie pour échapper. C'est quelque chose qui n'arrive où. Même qui quand c'est précaution, ou si capable d'apprendre, quand Allah va bramine, il décrète une chose là-haut, personne n'a pas capable d'échapper. Alors, ça ne veut pas dire qu'il nous va besoin de prendre précaution. Nous besoin de prendre précaution. Mais c'est bon, malgré nos précautions, c'est Allah le Brahmin qui vous décide est-ce qu'il nous peut atteindre ce qui nous peut rouler ou bien nous. Et aussi, et ce qui finit échappé, ça va pour tous les. C'est-à-dire quand une question finit échappé, il va dire, mais moi, tu connais, les gens font ça. Non. Allah le Brahmin, c'est lui qui finit échappé de sa question-là. Et ça, combien de fois dans la vie de tous les jours, nous trouvons 20 questions pour moi déroulées. Ou tu veux redémarrer, ou pas redémarrer, et 25 ou un fou d'être parti par où, allez. Tout ça, c'est 20 questions qu'Allah va pas nous les. Ou faire accident, ça allait, alors. Mais pourquoi on peut prendre précaution même, malgré ça, un accident déroulé. Mais Allah va pas nous les qui ça arrivé. Alors, quand fini arrivé, ça veut dire, l'Allah nous dit ça, Allah va pas une décrédit comme ça. Mais c'est même, dis-moi, il n'y a pas un droit de faire négligence. Après, il y a un temps où Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas qu'un parce qu'il n'y a pas connu qui Allah subhanahu wa ta'ala vient décréter pour lui. Mais connaît que tout ce qui vient arriver nous, ou bien tout ce qui échappe nous, tout ça là, c'est Allah Rabbi Amin qui vient ou laisse ça pour nous. Ensuite, comme ça même, apporté par Amr ibn Maymoun, il dit, quand Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il s'y est voyant, mais tu t'en n'y peux dire, c'est-à-dire, il dit sa parole là. Qui parole il dit? L'ordre d'Allah, il y a un décret déterminé. C'est Allah, Rabbi Amin, c'est lui qui finit décret qui s'en va arriver. Alors, il accepte ça de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, Allah finit écrire ça pour lui. Alors, personne ne peut pas protéger de ce qui finit arriver. Alors, ça, c'est l'iman qui, dans le sahaba, il donne Allah, alayhim, tchéna, quand un malheur finit tout seul. À aucun moment, Omar, radiallahu anhu, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de avec Banna pour qui Banna vient piquer, non. Il fait ce travail. Mais quand fin arrivé, fin arrivé, là, il dit, l'ordre d'Allah, il y a un décret déterminé, ça veut dire ce qui, il arrive là, là, obligatoirement, il arrive là. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il décrète un chose, définitivement, ça lui prend place. Comme ça, il nous dit, qui c'est qui fin arrivé? Du tout, ça, il n'y a pas un exercice de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbi Amin, quand il fait ça, nous là, n'importe qui manière tous nous, dans n'importe qui façon, qui nous n'est pas mentionné, ou est-ce qu'il ne va pas mentionner, elle manière tous nous, nous devons connaître qu'Allah Rabbi Amin, pas nous faire l'exercice sur nous. Allah dit, Inna Allah la yadlimu mithqala zarra. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait l'exercice, même pas d'un atome. Même pas d'un atome, Allah Rabbi Amin, il n'a pas fait aucun exercice. Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, dit, si Allah punit tout bon habitant qui est dans le ciel et tout bon habitant qui est dans la terre, l'itchi pour punir Banna sans qu'il y ait injuste envers Banna. Si Allah, Rabbi Amin, il décide pour punir tout bon créature qui est dans le ciel ou bien dans la terre, si c'est tout bon punition, là aussi, nous nous connaissons qu'Allah, Rabbi Amin, ne peut punir personne injustement. Et si les gens pitié de Banna, sont pitié pour meilleur pour Banna, qu'ils ont une action. C'est Allah Rabbi Amin, sont pitié de plus beaucoup encore de nous, qui ont une action qui nous fait. Alors tout cela, c'est pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à aucun moment, quand il peut faire un malheur qui touche nous, peut l'injustice là-dedans. Allah Rabbi Amin, ce qu'il veut faire pour nous là-dedans, et il a dit bien pour nous là-dedans. Et nous faisons quand même guetli, et définitivement, ben, preuve qui nous met devant eux là, c'est ça qui peut aider pour nous comprendre comment nous guettons ben malheur qui vient jeune avec nous, ou bien avec ben proche de nous. Et comme ça même nous dire que ce qui vient arriver obligatoirement, et il a dit bien là-dedans, pour nous-mêmes. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui dire, Allah, Rabbul Alamin, n'a pas créé un mauvais quelque chose,
qui les purement mauvais. C'est bien la norme qu'elle a vraiment fait une crée pour le mal des mâles, qui existe pour le mal. Ça veut dire, dans ça, les mâles-là, obligés, non, dit bien. Les dieux, mais tout ce qu'il fait une crée, et il a une sagesse là-dedans. Et en relation avec sa sagesse-là, il y a une bonne chose. Mais il est capable de contenir les mâles pour certains du monde, et ça, il y a les mâles partiels, qui, quand attribuer à certaines choses, qui viennent les mâles. Par exemple, un du monde, quand, un malade touché, ou bien il y a une maladie grave. Quand il y a cette maladie-là, une maladie grave, il trouve un mal dans lui. Mais quand nous avons résultat de sa maladie-là, c'est libre en patience. Qui quand il dit bien, s'amène dans la vie. Mais il y a un doute qu'il est là, quand il comprend ça, il peut comprendre, non, mais ça, les mal qu'elle a, on va amener, puis nous l'aider au mal là, mais il y a des mal là-dedans. Il y a beaucoup de bien là-dedans, qui, quand nous avons dit dans une langue islamique, et la doute qui nous gagne courage et nous gagne patience pour qui nous capable, ben, je suis un monde, ça m'a une difficulté qui nous capable faire face à l'eau du nia. Comme ça même, nous gardons soi qui, à travers ce qui vient d'arriver, Allah Rabbamin, il peut élever nos grades auprès de lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, une personne, il a un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas capable d'atteindre ça par son action. C'est-à-dire, il fait trop de petits barrettes. Et qui rend qu'Allah Rabbamin fin préparé pour lui la jannat, ça, ça va l'ibadat qu'il n'y fait là, pas faire atteindre ce niveau-là. Alors, Allah Rabbamin continue à faire test avec lui, pense qu'il n'est pas content, c'est pas mal les mal, pas maladie, pas mal de difficulté, jusqu'à qui Allah fait lui atteindre ce rang-là. C'est-à-dire quand on trouve un malheur, peut jeûner avec vous, peut prendre tout quelque chose, peut vivre dans l'obéissance à Allah, on peut faire même ibadat, mais on trouve qu'une difficulté peut continuer de venir. Faudrait pas nous énormes mauvais pensées de Allah. Au contraire, gagne bon pensée de Allah qui, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, l'in prépare une place bien haute pour la jannat. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il mettait clair dans ce hadith-là, comment, quand Allah va bien prépare une place bien haute pour la jannat, et puis la d'autres qui nous tout. Quand nous demandons même, nous disons, oh Allah, donne-nous Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, c'est qui a été Jannat ça? C'est mon Jannat en bas ou bien mon Jannat là-haut? Et nous disons, Allah, Jannat, c'est qui là-haut? Et action qui nous fait, pas faire nous arriver jusqu'à là-bas. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ça, c'est ce qu'il y a dans lui, il fait, ben, une difficulté, mais une jeune avec nous. À travers cette difficulté-là, quand nous prenons patience, et nous ne pas dire pas de mauvaises paroles, par l'eau d'Allah, à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala, lui récompense nous, jusqu'à qui nous gagnons un niveau bien haut qu'il finit de préparer pour nous. Parce que, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, grand récompense, lui vient avec grandesse. Alors là, on comprend, mais qui fait, nous, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré la personne qui est la plus content, qui vient d'une traverse pour une épreuve aussi difficile. Quand vous avez difficulté qui s'en va sur l'offre de traverser pendant qu'il décide à marquer. Tout ce qui a été persécution, physique, verbale, et dans toute façon, mais quand nous avons un Rasoul qui a la condamné autant, il y a toute sa difficulté, là, il a, le résultat, c'est qu'il y a des grandes récompenses, les vignes, avec grandesse. Et quand Allah, il content un peuple, là, nous avons une autre bonne nouvelle. Quand nous trouvons des mais continuez leur nous. Pas besoin, désespéré. Au contraire, bonne nouvelle. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah compte un peuple, il fait test avec Banna. C'est-à-dire, peut-être c'est pas l'amour qu'Allah a pour. Et ça, c'est une grande faveur qu'un dimanche juif, si jamais Allah Rabbamin est content. Nous tous, nous souhaitons qu'Allah Rabbamin est content. Et quand Allah Rabbamin compte à nous, il teste nous. C'est-à-dire, plus un du monde, il vit dans l'obéissance à Allah, plus un an, plus grand test, l'audit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le place, il dit, pour celui qui Allah, ou le dit bien, Allah frappe lui pour ban malir. Allah, si, il compte à dit bien pour un du monde, Allah subhanahu wa ta'a fait lui gagner ban malir, tous lui, tous sa famille, fait lui prendre patience, parce qu'en retour, par sa patience-là, il y a une grande récompense qui est réservée à l'eau-là. La conseil qui nous trouve de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Parmi ma doua, il fait une demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Was'aluka rido ba'adal kador » Oh Allah, je vais demander la satisfaction après n'importe qui sont arrivés dans mon destin. C'est quand tu fais une décrète inquiétion, donne-moi la satisfaction. Là. Ça, c'est un doigt qui nous tourne, nous demande avec Allah subhanahu wa ta'ala pour lui aide-nous là-dedans. Parce que vraiment, dans un moment de difficulté, ça dit monde qui peut subir ça, il y a même qui a des difficultés. Nous, nous avons passé, prends patience, bye. Prends patience, c'est hein. Facile pour nous dire. Mais ça dit monde qui peut subir ça là, il y a une situation. N'importe qui a des situations qui peut mettre, connaît qui, ça va une difficulté qu'on peut gagner là, man prophète en haut, il y a une difficulté plus forte que ça. Ou qu'on peut avoir une maladie bien grave, ou qu'on peut avoir une maladie qui a eu, alayhi salam, ou connaît qui a des patience, sa prophète là, fin prend, et pourtant il y a une prophète. Et pendant qu'il est malade, Allah subhanahu wa ta'ala testé lui encore, fait lui perdre ce man sans pas. Lorsque la maladie, qu'il est désert, mais prend patience, Allah va voir mille, l'eau la même, donne lui encore un test fort, et il prend patience. Il prend patience, il continue de prendre patience. Alors, dans un moment de malheur, dans un moment de difficulté, ça même qui nous rassure, puis nous enseigne nous, comment nous vous trouvez, sallallahu alayhi wa sallam, nous guette ben du monde qui plie bas qui nous. Quand nous avons des gens qui plient bas que nous, les gens nous reconnaissent qui quand c'est faveur, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire nous, et ça pour aider nous, pour nous satisfaire avec tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala peut décréter pour nous. Comme ça même, nous avons l'espoir qu'à travers ce qui vient d'arriver, Allah subhanahu wa ta'ala lui refasse nos bonnes pensées. Il y a d'autres qui, un seul parmi tout ce qui nous peut mentionner là, tu vois, là, et tu vous suffis pour nous prendre patience. Mais avec tout cela, quand on réunit, bien sûr qu'il est plus et nous encore pour nous prendre patience, nos bonnes difficultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire face à sa dunya là. La source sallallahu alayhi wa sallam nous dit, bien n'a aucune douleur qui touche un mu'min, ou bien une fatigue, ou bien une maladie, ou bien une tristesse, et même qui tracas qui lui prend. Excepté qui pense ça, Allah refasse ce bon péché. Et ce bon faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait, l'on dit monde, quand un monde peut toucher pour que la fatigue, qui ça qui parmi nous qui pas fatigué? Quand on peut fatiguer, ça fatigue là, il y a un moyen pour Allah refasse ce péché. Qui ça qui pas malade? Maladie, un moyen pour Allah refasse ce péché. Qui ça qui jamais gagne tristesse sur la vie? La tristesse, Allah refasse ce péché. Ou quelqu'un qui traque, hein? Mon traka, Allah répasse un péché. Mais tout ça va moigner là. Allah soit ta fin mette comme les mal en lui-même. Mais quand on est derrière les résultats derrière ça, les mal là, qui quand c'est du bien et là, un ou péché répassé. Deuxième, par patience qui ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala, lui élève ou rend auprès de lui. Et ben, deux qui ou récompense de Jannat, lui pour plus élever. Tout ça là, c'est man. Très bonne nouvelle. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne sa oumette là dans un moment de malheur quand nous prenons pas patience. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore un mu'min et un mu'mina il faut continuer faire face à un test dans lui-même et dans son propre corps, dans son enfant et dans son richesse jusqu'à qu'il joigne Allah dans un état qui paie n'a aucun péché l'on. Ça qui va être content les jours du Qiyamah quand il est élevé. Peine à péché l'oli. Nous tous nous condamnons. Et nous tous nous reconnaissons, faiblesse qui nous est dans nous, nous tous nous commettons beaucoup péché. Mais ça va un péché qui nous fait là. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers un problème, une difficulté, une manière qui touche tout, connaît qui ça, c'est un moyen qu'Allah Rabbamin, lui refasse ça va un péché là. Alors, tout ça là, lui aide nous, pour nous prendre patience. Quand on gagne une difficulté, imagine une certaine péché qu'on fait dans la vie. Peut-être Allah Rabbamin, pour ça péché là. Ou ça m'a augmenté qu'il faut une énorme d'aoula. Allah soit en temps pour ça faire face à un péché là. Si vous trouvez qu'Alhamdulillah, vous pouvez faire tous les efforts, comme on nous retire, pour vivre dans l'obéissance à Allah, on fait les efforts pour qu'il m'en péché. Malgré ça, vous trouvez qu'il y a une difficulté là pour venir même. Voilà, bonne nouvelle encore pour Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, lui ou les élèves ou rangs dans Jannat. Alors, tout ce qui arrive, un mu'min, peut la doute saisir, dit bien, qui arrive lui. Alors, comme ça même quand,
ان معناها توش نو نو قال لسوا كي اترافير سي كي فين اريفي لي بوسيبل كي الله رب العالمين بي اي بان نو با سي كي بي بير اوترو سا معناها رين اريفي ان معناها بيان فو مي بيتيت كي سا سي ان تي معناها كي ناريفي ان ان معناها كي بي بير كي الله رب العالمين فين بروتيجو دي سا رسول صلى الله عليه وسلم نيجي Quand Allah ou les dit bien pour son serviteur, quand Allah ou les dit bien pour son serviteur, les presser pour punir l'ordunia. C'est défini, hein? Certains man, problèmes, man, difficultés, man, punition, l'ordunia même. Et quand Allah ou les mal pour le serviteur, les retenir des lits, punition de son péché. Ah, là, on comprend. Mais qui fait, moi, mon frère, moi, mon reste en difficulté. Ça n'a pas fait faire la main du tout. Sur l'avion, bah là-haut, c'est moi qui trouve, je dirais, qu'il y a tout facilité. Qui vient, moi, dans le business, moi, pas réussi, les libérer ici. Alors, le résultat, là, la source sur Allah, on va le de nouvelles nouvelles. Quand Allah ou le dit bien pour ce serviteur, il est pressé pour venir dans le dunya. Ça veut dire qu'il y a une difficulté là, mais il finit sur le dunya. Et quand Allah ou le mal pour ce serviteur, il retenir des lits, punition de ce PC, afin qu'il y donne les punitions au complet des jours du Qiyamah. Parce que qui s'adonne là, ça c'est un avis éphémère qui peut finir ça. Après ça, il y a un avis éternité qui appelle Akhirat. Bien souvent, des fois, nous avons des choses là, c'est côté dunya. N'oubliez qu'après nous l'avis, l'autre dunya est un avis d'Akhirat qui est plus important. Et nous tous, nous comptons qu'il y a l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous, mette-nous dans la jannah, récompense-nous, nous tous nous laissons. Et si vous voulez qu'Allah rabbi amin pardonne-nous, vous voulez qu'Allah rabbi amin pas faire ou pas faire aucune punition, vous voulez qu'Allah rabbi amin donne-nous une bonne place dans la jannah, mais tout ça là, c'est certaines manières qui vous besoin pour en place dans la vie. Et quand arrive lui, prends patience là, remets ça là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lors du nia même, nous finit faire ou payer ce qui tient pour payer, comme ça, dans l'akhirat aussi, qui ou peine n'a rien pour payer, parce que ce qui est là dans l'akhirat là, ça, n'est pas une punition qui est du monde pour qu'il ne supporte pas. Il n'est pas supportable, ça. Insupportable, ça, une punition qui est là côté Allah. Alors, à cause de ça, qu'il y a du monde, il vient machine, ça. Si vous pouvez gagner là, malgré qu'on trouve, vous pouvez souffrir, vous pouvez gagner du lait, mais qu'on est qui, plus de ça, ou pas du mal à Allah. Ou bien, on peut dire, là, pour, de nous punition. Mais une fille arrivée, ou bien, on est malade, ou bien, douleur, ou bien, souffert. Alors, pour sa souffrance, gagne l'espoir qu'Allah souvent attend, peut refaire souvent un PC. Gagne l'espoir qui, peut-être, pour un PC qu'on vient faire, ou peut payer une partie de ça. Mais seulement, puis tout ça, qui, si qu'Allah va pas mieux, fait préparer comme punition dans Akhirat, mais d'autres qui, tout ça là, c'est pour aider nous, pour qu'il nous capable de supporter une manière qui est capable de traverser dans la vie. Nous demandons que le subhanahu wa ta'ala lui toujours protège nous depuis une manière, mais en même temps, nous demandons que le Ramin lui aide nous pour qu'il nous prenne patience pour n'importe qui manière qui est capable de toucher nous à pour le Khalihada wa sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لو بعدا نقول كي فضي فان جبون نفير. كان إن ماليا تسلي سيدي جي من بقول كي كنت أجير سو عقيدة لو الله. أبدي باي نعمر رضي الله عنه نجي لبقول صلى الله عليه وسلم في نجي. إسكي زو با بو écouter. Certainement Allah لي با بيني. À cause l'âme qui coulait depuis déjà et ni à cause tristesse qui les cœurs ressentit. C'est quand du monde peut gagner un kit punition ou bien un kit malheur. C'est pas là où les faire du monde là sur l'homme couler, ou bien sur une famille sur l'homme couler, ou bien il y a envie de mettre tristesse dans les cœurs, ben du monde. Mais il punit ou il gagne pitié à cause de ça. Alors il finit de montrer sur la langue. C'est pas ben malheur qui ça la langue n'a fait. La langue, elle n'est pas une membre qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puis fait nous comme des petites choses concernant lui. C'est ça même. Les un bon moment qui va mener plus beaucoup de monde dans l'enfer, ça. Alors, pour ça, nous devons comprendre qu'il nous devons contrôler nous la langue. Dans n'importe quelle situation.
Surtout, dans l'époque qui nous pouvait être là, quand il manque une vaccine, ça n'a pas pour cause concernant l'autre là, le tableau pour concernant l'autre là. Alors, faire un exercice, par contre, mentir, par contre, tout le monde pense, tout cela, l'hypoubine pour tous les jours du Kriyama. Alors, à cause de la langue, il y a un problème de monde qui a beaucoup baissé, à cause ça, on n'a pas vu une trappe beaucoup de monde pour ce ban et rien de ban baissé que je vais faire. Alors, ce ban ressenti, je vais croire qu'Allah peut faire dominer, Allah peut faire dominer la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous retire. Quand il mettra pour, c'est pour propre du bien ça. Alors, faudrait pas un démon, quand il trouve ce qui peut arriver, lui dire une mauvaise parole, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parfois, nous trouvons un démon comme manque de connaissances. Une manière de tout ce qui est, ce sont pas morts. Il commence malade, ce sont pas qui sont en bonne santé, il fait accident, il mort. Il dit, Allah, lui-même donne droit pour moi, parce qu'il faut avoir la souffrance. Toi qui vous décidez qu'Allah peut faire, Allah Rabbi Amin, il fait ce qu'il a envie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une croix, quand il y a cause, il n'a dit bien pour lui aussi là-dedans, mais il n'a dit bien pour lui aussi là-dedans. Tu connais, dis mec, sans enfant là, tu as venu, tu ne connais pas. Alors, nous, étant mannequin à Iman, nous devons accepter tout ce qui est arrivé depuis Allah, et nous pas dire une parole qui contredire ce qui nous a crié d'affine, financer, nous, plein d'autres qui, tout cela, c'est un point important qui nous a retenir, et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dit toujours, aide-nous. Et aide tout les musulmans, c'est les autres dans la difficulté qui se veut faire face. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous la patience dans tout le moment des difficultés. Et comme ça même, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous et lui donne-nous une place qui bien haute auprès de lui dans la Jannah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.